mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bonjour. Généralement, je vous dis toujours merci de nous suivre. Un téléspectateur m'a dit non, désormais, il faut dire, c'est à nous de vous dire, de vous remercier, parce que dans votre émission, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à retenir. Si tel est le cas, je vous remercie quand même. Alors, j'ai trois amis avec moi, distanciation sociale oblige. Achimba, bonsoir et bonjour. Bonjour, bonsoir, Kibambi Chintoa. Oui, Mobimba Achimba arbore son écharpe comme du temps de la révolution mobutienne. C'est à noter. Alors, un autre participant à cette émission, vous les connaissez tous, c'est Monsieur Justin Magala. Monsieur Justin Magala, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. C'est le plus jeune du groupe, et puis cet ami, Modeste Bonigaba. Bonsoir et bonjour. Si je me suis arrêté, c'est parce que je voulais revenir sur un fait. Je n'ai pas fait de lui. Je n'ai pas fait de lui mon ami. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous n'êtes pas l'ami. Hein. Bon. Et puis, Modeste Bonigaba a soufflé une bougie de plus. On vous souhaite quoi pour le reste? Beaucoup de sagesse. Le meilleur. Beaucoup de sagesse, naturellement. Vous êtes déjà sage. Encore un peu plus. Alors, ce qui était promis, c'est que nous puissions revenir sur cette pandémie qui a bouleversé le monde entier. Je note ici que aux États-Unis, ça s'est aggravé, puisqu'il y a eu même 1600 personnes qui ont succombé. Et puis au Brésil, 100 000 morts. En Belgique, surtout à Anvers, ça s'empire. En France, on travaille, on continue, n'est-ce pas, à tester les gens, à soumettre les gens au test. 500 000 par jour, ce qui est une très très bonne chose. Chez nous, les chiffres sont en train de décroître. Alors, mes chers amis, comment expliquer d'abord ce phénomène? Nous y reviendrons, mais je voudrais quand même poser une question pertinente, de mon point de vue, à Achimba. Nous avons toujours souhaité que les matangas, comme nous les appelons chez nous, les deuils puissent se dérouler d'une manière assez responsable. Or, après le passage, non, la pandémie continue, il a été demandé ou même exigé que l'on ne traîne plus avec des corps, qu'on les amène immédiatement au cimetière. Les propositions, nos pleurs ont été entendues. C'est une bonne chose. À mon avis, c'est une très bonne chose. Pour plusieurs raisons, bien entendu, les raisons d'hygiène, mais je peux dire aussi que dans ma culture religieuse, partout dans le monde, ma religion, on enterre le même jour. De quelle religion s'agit-il? Moi, je suis témoin de Jéhovah. D'accord. Quand quelqu'un meurt, si on n'a pas de moyens tout de suite, on le laisse à la morgue. On se prépare, quand tout est prêt, on sort le corps, on s'arrête quelque part à un moment donné pour un discours commémoratif de l'enterrement. Et puis, on va au cimetière. Parfois, on peut même aller directement jusqu'au cimetière, on fait ce discours-là, et on enterre le même jour. Et il y a pas un problème de croyance, simplement un problème d'abord d'hygiène et un problème de respect pour
la parole de Dieu. Même Dieu, pour Jésus, et Jésus n'a pas, son corps ne devait pas passer la nuit sur le poteau. Le même jour, il devait être entré, parce qu'il avait même fait le soir, avant la tombée de la nuit, il devait déjà être inhumé. Puisque vous parlez de problèmes d'hygiène, de problèmes religieux et également, on peut-être, pourquoi pas, continuer donc avec ces pratiques, mais aussi, pour des raisons d'hygiène, continuer à ne plus nous saluer, pourquoi pas. Et quand je suis allé pour la première fois à Lubumbashi, c'était dans les années 80, là au début des années 80, j'étais étonné d'apprendre que le corps des morts ne venait pas à la maison, c'était de l'hôpital là au cimetière. Tout à fait. J'ai trouvé ça, c'était fantastique. Elle dit non, ici c'est l'habitude comme ça. Et c'est d'ailleurs que j'ai vu pour la première fois que pour entrer même dans les bus, les gens se mettaient en rang. Mm-hmm. C'est une certaine discipline. Sauf qu'on me disait, non, dans les bars, là, les Lichois, ils ont bu leur bière, là, ils s'échangent des coups sérieusement. Si tu n'es pas fort, il ne faut pas y aller. Alors, mais, pour ce qui est de mort, c'était ça. On dit que si vous voyez ma tangue à quelqu'un à la maison, on dit que ce sont des gens, généralement des autorités venues de Kinshasa, qui exigent que leur corps, leur mort tout arrive à la maison. Mais dans la tradition, le Lubumbashino, et j'ai beaucoup admiré ça. Mais même à Brazzaville, c'est la même chose. Donc, voilà des habitudes à garder. Maître Magala, se saluer. Chez vous, au village, on fait comment? On se serre la main? Il y a plusieurs sortes de salutations, hein, mais on s'embrasse, on serre les mains, on se salue de loin, on se courbe un peu pour saluer. Il y a plusieurs formes, mais je suis d'avis que on peut se passer quand même des contacts physiques pour se protéger. Et par rapport à ce que vous aviez posé avant comme question pour l'enterrement de mort, j'ai toujours rappelé qu'il y a une carence législative grave. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est géré par les gouverneurs, par des expédients, mais il faut que l'État légifère sur la question des inhumations. D'accord. Qu'on soit fixé une fois pour toutes. Bonny Gaba. Oui, mais je l'avais dit que ce n'est pas seulement parce qu'il faut se préserver contre toutes sortes de contaminations, mais il y a aussi des raisons économiques. Ces deuils-là qui tirent en longueur, vous n'imaginez pas ce que ça coûte aux familles, déjà éprouvées par la perte d'un être cher, mais qui doivent encore se cotiser, aller même emprunter l'argent pour faire face à ces dépenses-là tout à fait inutiles. Donc je crois qu'il y a, en plus de ces raisons d'hygiène liées au corona et à d'autres maladies, parce qu'on a avec Ebola, c'était pareil, il fallait vite isoler le corps et l'enterrer rapidement. Mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, c'était devenu un grand business. Les deuils étaient devenus des vrais business. Vous avez vu le nombre de salles qui ont fleuri dans la ville ici. Et les jours, j'ai causé avec quelqu'un, les banques étaient vraiment... Ah bon? Ah oui, ce sont... Les banques étaient d'accord pour financer ce genre d'activité parce que quand on donnait le business plan là, mais c'était des remboursements ultra rapides parce que la clientèle était assurée. Donc, on va peut-être regretter pour ceux-là qui ont investi massivement là-dedans, mais sinon pour la communauté, c'est, je crois, une chose, une bonne chose. Et je crois qu'on fera même l'économie des morts. Il y a des gens qui meurent parce que après avoir serré la main de quelqu'un, et il s'est contaminé. Et puis, ce commerce avait effectivement pris de l'ampleur parce qu'on mourait beaucoup à Kinshasa. Si on continue avec ces mesures-là, on se fera l'économie de beaucoup de choses. Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, Maître Magala, aux États-Unis et dans d'autres pays, ça, c'est en train de remonter. Mais chez nous,
sa tendance à baisser. J'ai des chiffres ici, 230 guérisons, 0 mort, ça c'est pour lundi, 30 nouveaux cas cumulés, 8873. Mardi, c'était 165 guérisons, 5 décès, 58 nouveaux cas cumulés. Chez nous, c'est en train de baisser. Est-ce qu'il y a une signification à donner à cela? Oui, je crois à deux niveaux. D'abord, sur le plan local, je rappelle que les niveaux de tests que nous avons, nous sommes autour de 500 aujourd'hui. Quand vous prenez les pays occidentaux, ils sont autour de 500 000 tests par jour. Donc forcément, ce que nous avons comme test ici nous rapporte que la partie émergée de l'iceberg. C'est peut-être un échantillon, mais à mon sens, pas suffisamment indicatif. Mais tant mieux, ça évolue vers la baisse. Mais alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette baisse chez nous. C'est notamment l'expérience déjà acquise. Lors des épidémies qui nous ont précédées, notamment Ebola, ce qui fait que les structures, entre guillemets, bien qu'insuffisantes, étaient déjà en place. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des équipes averties, des médecins qui ont fait Ebola, et qui étaient déjà à même de pouvoir suivre. Nous avions les lieux de quarantaine, tout ça était déjà en place. Deuxièmement, on a la jeunesse de la population. Quand vous suivez bien les chiffres, on nous dit que c'est à partir de 80 ans qu'il y a beaucoup de victimes. Or, les sociétés occidentales, effectivement, oui, 80 ans, c'est pire, mais déjà, à l'âge suffisamment avancé, 65 ans, 65, on peut dire. Et ici, nous avons l'avantage d'avoir une population jeune, ce qui fait qu'il y a beaucoup de cas, peut-être contaminés, mais asymptomatiques. Bon, la question demeure, sont-ils contagieux ou pas, mais c'est ça. On a beaucoup de jeunes et qui savent résister quand même à la maladie. Et puis, la prévalence de la comorbidité quand même. C'est-à-dire que les sociétés occidentales, vous avez des cas d'obésité, vous avez des cas de diabète, des cas d'hypertension, plus nombreux que chez nous, qui sont des facteurs aggravants par rapport à la mobilité. Mais maintenant, ici, chez nous, c'est ce qui est un peu pessimiste parce que nous sommes en train de suivre la même tendance maintenant. On commence à compter de plus en plus de guéris. Oui, et des guéris. Et des cas, bon, et des cas quand même, on a aussi beaucoup de cas de diabète maintenant qui se développent. Donc, et enfin, l'exposition que nous avons aux différents virus. Chez nous, dans nos conditions de vie, on a été tellement exposé à beaucoup de virus et avec le temps, on parlerait même d'une hypothèse d'immunité croisée. Donc, ça peut justifier cette tendance à la baisse. Mais voyons voir avec les déconfinements ce que ça va donner. D'accord. Monsieur Bonigaba. Oui, mais je crois que ce phénomène effectivement peut s'expliquer par ce que Maître Magala vient de dire, mais aussi parce qu'on a dit que finalement, même déjà, dès que ça a démarré, la flambée qu'on attendait, que tout le monde avait prédit, n'est pas arrivée. Et jusqu'ici, on se demande ce qui s'est passé, mais certains pensent que le facteur climatique a quand même certainement jouer parce que on a dit que ce virus là avait peur de la chaleur avait peur de la chaleur. Et puis notre petite thérapie là traditionnelle des vapeurs et tout ça, faut pas sous-estimer ce que ça a pu apporter comme mais vous savez que les propositions sont venues d'Europe même. On nous écrivait à partir d'Europe, telle a été soigné grâce au bain de vapeur. C'est ça. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. Ouais. Et je ne sais pas si, parmi nous ici, quelqu'un ne s'est pas exposé à cela. Là, je donne la parole à Mobimba. Vous n'avez pas encore... Non, là, je crois, craignez que je puisse vous contredire.
pour dire s'il y a beaucoup de cas, les statistiques que l'on a, qui sont officielles, je suis presque sûr que ne reprennent pas la totalité des cas de contamination dans le pays. Parce que je ne suis pas médecin ni infirmier. Mm-hmm. Mais c'est votre point de vue. Mais dans mes contacts, je connais une cinquantaine de personnes. Parfois des gens appartenant à une famille qui en ont souffert et qui sont guéris. Mais ils ne relèvent d'aucune statistique. C'est un peu le problème que nous avons chez nous ici, la débrouille et l'informel. Mm-hmm. Notre économie, la statistique nationale de l'économie ne reprend pas l'informel, les maléwa et tout ça dans les comptes. Mm-hmm. Et pourtant, les gens vivent de ça. Vous trouvez des gens en bonne santé qui mettent les enfants à l'école. Oui, pas sommes... la débrouille. Mais non, aussi, je reviens à vous, Sushi. Que toi, on t'a dit que l'inhalation, là, ça vient de l'Europe. Mais moi, au contraire, c'est moi qui ai informé l'Europe de l'inhalation. Oui, mais pourquoi parce que ceci. Pourquoi? C'est parce que vous avez informé que l'information nous est revenue. Non, parce que je m'ai envoyé des feuilles d'ici pour soigner des gens en Europe. Qui sont sortis. Oui. Ils sont sortis. Et je veux dire que moi, revenant de l'Europe, au mois de mars, j'étais bien, mais après, j'ai senti que ça n'allait pas. J'ai contaminé les gens de ma famille. Un neveu médecin est venu nous soigner et tout ça. Mais après, quand je me suis rendu compte que c'était cette histoire-là, j'ai dit non. Merci beaucoup pour les antimalarias, les autres là, la perfusion. Mais maintenant, on va faire quelque chose. Allons prendre des feuilles. Parce que j'ai entendu même des autorités pour dire que quand quelqu'un vous dit que les feuilles, ceci, ne vont pas, c'est faux. Et moi, j'ai dit que c'est faux. Parce que, non, je ne peux pas accepter. Moi, je suis né au village jusqu'à l'âge de 18 ans. Les dispensaires, il est très loin. Il s'est passé vers les années 50. Un agent sanitaire, un Belge qui passait pour vous chercher des ganglions, tout ça. Il le faisait une fois, je ne sais pas, tous les 6 mois. Mais toutes les maladies, c'était au village, mais avec toutes ces feuilles-là. Soit qu'on vous fait un lavage, soit qu'on vous fait un lavement, soit qu'on vous donne à boire, on fait ceci. Donc, l'inhalation, oui, avec oui. Ces feuilles que je connais, l'artémisia là. Mm-hmm. Mais je connais l'artémisia depuis l'âge de 5 ans. Donc vous confirmez que vous vous êtes tiré d'affaire, vous-même et votre famille, atteint, vous êtes tiré d'affaire grâce à ces... La seule chose qu'on puisse dire, que tout le monde ne devient pas médecin. Il y a beaucoup de charlatans. Mm-hmm. Il faut, même dans les milieux traditionnels, il y a des gens spécialisés pour soigner. Ce n'est pas tous les villages, chaque village, chacun veut soigner ses enfants, non. Il y a des gens qui se sont spécialisés pour soigner. Comme Mobimba, parce qu'il l'a fait. Non, un moment. Et j'ai dit, c'est très sérieux. Ça fait partie des choses qui ont fait grandir, fait vivre les gens avant même l'arrivée de la colonisation. C'est ce qui explique que avant l'arrivée de la colonisation, les gens se faisaient soigner de ces feuilles, de ces plantes, depuis des siècles. Alors, on ne peut pas dire que non, c'est faux cette histoire, nous attendons. D'ailleurs, même les médecins, non, mais c'est ce qu'ils nous ont dit. Il n'y a pas un traitement précis pour ça. Nous sommes en train de faire des combinaisons de ceci pour s'en sortir. Mmh, d'accord. Et donc, moi, je dis, l'inhalation, boire certaines plantes, je ne vais pas les citer ici parce que ce n'est pas tout le monde qui va les prendre. Et j'ai envoyé ça à mes enfants, à mes nièces en Belgique et en France. Et tout a bien marché. C'est bien. Mais il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. C'est là qu'il y a des spécialistes. Mmh. Voilà. Très bien. Nous en avions déjà parlé, Maître Magala. Oui, on en avait déjà parlé. Je crois que l'émission est encore toute fraîche. Mm-hmm. Et je suis d'accord, je ne peux pas refuser ce que vient de dire Mbimba, parce que ça fait partie de nos traditions, c'est ça notre culture. Nous avons grandi avec
Et j'ai aimé la précision qu'il a donnée à la fin. Certes, il faut aller à l'hôpital. Mm-hmm. Mais maintenant, bon, comment soigner? Ça, même les experts eux-mêmes mm-hmm. ne sont pas d'accord sur une méthode particulière. Mais ce qui est décourageant chez nous, c'est que c'est cette tendance-là à nier l'existence des maladies. Mm-hmm. Plutôt, c'est ça qu'on devrait décourager. Parce que les gens pensent que la maladie n'existe pas. Vous verrez même les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous avez des gens qui disent qu'on les a forcés à accepter qu'ils étaient malades. Alors c'est ça qui décourage, c'est ça qui transmet un mauvais message. Ou des jeunes gens qui se réunissent en train de sauter entre eux et disent que la maladie n'existe pas, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Non, la maladie existe. Au moins que sur cette question-là, nous soyons d'accord et qu'on communique. Je voudrais vous interrompre deux minutes pour donner une information. Il semblerait que les gens qui ont donné cette fausse information, en fait, c'était parmi les premières personnes. Alors, en retour, elle voulait un certain nombre de faveurs. Notamment, elle venait d'Europe. Je voudrais qu'on décharge mes marchandises, parce que c'est la première. Et on leur a dit, mais si vous avez amené la marchandise, nous, qu'est-ce que nous allons faire pour vous aider à... Donc, en retour, elle cherchait à avoir quelques avantages qui ne leur ont pas été donnés, parce que, bon... Voilà. Ben, c'est une bonne séquence ou une pause? Ben, on peut continuer. Oui, enfin, je ne sais pas, vous avez compris ce que j'ai dit? Tout à fait, mais ça, c'est faire une confusion dangereuse. C'est-à-dire que l'immigration humaine ou la migration humaine et les commerces extérieurs, c'est deux choses totalement différentes. Oui, poursuivez dans votre lancée. Alors, c'est ça la question première. Certes aussi, parlant de cela, la Covid, c'est une affaire de gros sous. Il faut dire, c'est entre autres ça, toutes ces recherches de gains, d'une façon honnête ou pas, la Covid, c'est un problème de gros sous. C'est, sur le plan macro déjà, macroéconomique, vous verrez que la relance projetée par l'Europe est autour de 750 milliards de dollars. Déjà, prenons un cas en Afrique. Le Fonds monétaire vient de donner 4 milliards 300 millions de dollars à l'Afrique du Sud. Et la Banque africaine, comment on appelle, l'ABAD a donné 280 millions, toujours à l'Afrique du Sud. Et la nouvelle banque là, de BRICS a donné 965 millions. Donc nous sommes autour des 5 milliards qu'on a donné à l'Afrique du Sud, qui a déjà 6 000 morts. Mais l'Afrique du Sud elle-même dit qu'elle a mis 30 milliards dans la... Alors je crois que quelquefois, Dieu est juste quand même. Parce que quand je vois ce qui se passe chez nous, on dit qu'on a reçu officiellement 1 million de dollars et que nous sommes à 200 morts officiellement. Je ne dis pas que ce soit les... Bon, parce que nous, ici chez nous, on ne parle même pas de relance. Donc, on n'est même pas encore là, on est encore dans la nuit totale. On n'est pas à la relance. Quand vous considérez tous ces chiffres-là, qui favorisent l'endettement aussi, parce que maintenant les banques ont ouvert les portes, parce qu'il y a la garantie souveraine de l'État derrière, Boeing vient de s'endetter pour 4 milliards de dollars, tout ça. Ok, d'un côté, ça tue les gens, de l'autre, les affaires reprennent pour d'autres. Et au niveau micro, maintenant, sur le plan individuel, ce sont des petits gains comme ça qu'on cherche, alors que les gens sont dans une souffrance indescriptible. Nous avons ici, nous en sommes jusqu'au recul de la nutrition. Nous sommes au recul de la vaccination. Est-ce que ce n'est pas ça qui va nous tuer, qui va... C'est le recul de la nutrition ne favorisant pas, comment je veux dire, la résistance du corps. La résistance, justement. C'est pour ça que j'ai dit qu'on devrait éviter de crier une victoire trop tôt. Parce qu'on vient en peine de déconfiner. Voyons voir dans un mois qu'est-ce que ça va donner. Si on considère le 14 jours d'incubation... Bon, voyons voir. Avec les comportements qu'on remarque dans la rue, dans les marchés, dans les bars, ça sera... Et d'ailleurs, pourquoi ne pas reculer? Aux États-Unis, les jeunes gens se réunissaient et jouaient pour voir qui serait le premier atteint. C'est peut-être ce qui explique aussi cette remontée des contaminations. Forcément, parce que quand vous en arrivez à compter 1600 morts par jour, vous êtes à 60 000... cas de contaminés officiellement reconnus. C'est-à-dire que
bien que grand pays, ils sont en train de perdre le contrôle quelque part. On ne doit pas être choqué de les dire, ils sont en train de perdre le contrôle et ils ont tellement pris la pandémie à la légère que les chiffres les rattrapent. Tout à fait. C'est ça le souci. Odès Bonicapa. Oui, je crois qu'il faut aussi noter le fait que l'impact économique de la pandémie, en ce qui nous concerne, est vraiment disproportionné. Parce que quand on donne les chiffres là, et qu'on voit à quel point le pays a été paralysé, on n'a pas encore fait, nous, je ne sais pas si on va faire ces calculs-là, pour dire le manque à gagner en termes de production nationale, ça va être quelque chose de catastrophique. Alors, maintenant, lorsque justement on voit cette tendance à vouloir, parce que justement il y a des gros sous derrière, ceux qui sont aux responsabilités, là où ça passe, on sent qu'il y a comme des combines qui se font pour... on annonce qu'on a libéré un montant X, mais quand ça arrive au destinataire, c'est déjà peut-être 10% seulement du montant initial. Donc ça veut dire que cet aspect-là, des gros sous, nous fait oublier que nous sommes en train de vivre une vraie catastrophe qui va avoir certainement un impact qu'on n'a pas encore su mesurer jusque maintenant, mais par rapport aux agrégats, à ce qu'il faut faire, je crois que nous allons connaître des moments très difficiles dans les mois qui viennent, et les années même, parce que arrêter comme ça l'économie d'un pays qui était déjà mal en pas loin, c'est pratiquement le condamné à la mort. Alors, M. Moubimba, on va retenir les mesures qui ont été dictées, encourager nos populations à vraiment poursuivre dans cette lancée. C'est la seule façon de pouvoir nous tirer d'affaire. Oui, et parmi ces concitoyens qu'il faut vraiment bien sensibiliser, il y a aussi les faiseurs de miracles. Ceux qui pensent qu'ils ont un pouvoir divin de guérir des maladies, de faire ceci, parce qu'on l'entend. Maintenant, toute la religion, on a fermé. Quand on va ouvrir à partir du 15, il faut quand même qu'on dise aux gens qui prient là, oui, 24 heures sur 24, qui commence à 15 heures jusqu'à 23 heures, et à 1 heure du matin, reprend jusqu'au matin. Comme ça, ils ne pensent même pas que les voisins doivent dormir. Et quand vous voulez protester, on vous dit non, vous êtes sorcier. Et alors ils disent que eux, ils ont le pouvoir, le Covid là, non, ils ont le pouvoir de Dieu de guérir toutes ces maladies. Et ça fait quoi? Parce que les gens qui vont là-bas, ils ne vont pas prendre la maladie au sérieux. Mais le Covid existe. C'est peut-être pas comme les sida, parce que le taux de guérison est très très bas. Pardon, l'Ebola, le taux de guérison de l'Ebola est très bas. Mais pour Covid, il y a quand même le taux élevé. Et puis, on peut passer quand même un certain temps là-bas. Mais que les gens peuvent prendre ça à la légère. Non, ça existe. Mais quand on a affaire à des charlatans qui vont raconter qu'ils ont le pouvoir des miracles, et que maintenant, après les 15, on va ouvrir les églises, ils vont chanter à toute tête avec des tambours de musique sans horaire. Il faudrait peut-être que les administrations essaient d'arrêter quand même une heure, deux heures de culte une fois par semaine, et en week-end peut-être vous pouvez aller à deux heures quand il y a une fête, un événement spécial, trois heures. Mais alors la distanciation et pas trop de bruit pour ne pas déranger les voisins, et on ne va pas se toucher, faire quoi que ce soit, surtout quand on est nombreux entassés dans une salle en train de sauter. Quand il y a le tam-tam, la salle, ça chauffe, et bien les gens, toutes les émotions sont au comble, et on oublie même qu'on est à côté de quelqu'un qui est malade. Très bien. En fait, effectivement, ce que vient de dire Moubimba est important, parce que
j'y revenais il y a un instant. Bah, aux États-Unis, on a vu les gens user de leur liberté, boire, et voilà les conséquences aujourd'hui. Quand on va ouvrir les églises, que les gens fassent quand même attention, que les gens réfléchissent et fassent réfléchir les leurs, afin que, à l'occasion de la prière, on ne puisse pas se contaminer. C'est bon, vous êtes d'accord, maître? Tout à fait, et c'est le silence de l'État là que je condamne. Ok, on va reprendre avec les cultes, mais il faut définir les conditions dans lesquelles les cultes vont reprendre. Mmh. On ne peut pas reprendre des cultes comme c'était si avant, comme si de rien n'était. Non, l'État doit pouvoir nous dire, voici les conditions, distanciation sociale. Il faut que les églises présentent leur plan de déconfinement. Il y aura... Ok, vous avez une église de 1000 personnes. Vous faites comment? Distanciation, comment vous respectez? Lavage de main, comment vous respectez? Parce que si vous avez 1000 personnes qui se mettent à chanter avec tout ce qu'il y a comme postillon qui circule, il suffit qu'il y ait une seule personne malade. Mais c'est toute l'église. Les conditions d'entrée et de sortie, tout ça doit être bien fixé avant qu'on ouvre. On ne peut pas laisser... j'ai aimé beaucoup le courage du patron de la police de Kinshasa de dire que déjà on va faire les vérifications pour voir. Mais ok, il faut que ça soit, qu'il y ait des textes. On ne peut pas le faire sur base de rien. Il faut qu'il y ait des textes qu'on dise dans quelles conditions on ouvre. Quelles sont les conditions d'accès? Comment nous entrons? Comment mais pour légiférer, il faut passer par le Parlement. Passer par le Parlement, il est fermé. Enfin... Non, pas nécessairement. Il y a un ministre, ça peut se faire par arrêté. Mm-hmm. On peut le dire, on peut le faire par édit. Il y a beaucoup... Vous savez, parmi les catastrophes que nous décrions aux États-Unis, il n'y a pas une harmonie, mm-hmm. un plan national de lutte contre la COVID. C'est-à-dire que chaque gouverneur, et c'est un petit souverain chez lui, il prend ce qu'il peut, celui-ci privilégie l'économie, l'autre privilégie... Bon, conséquence, il n'y a pas de plan national, il n'y a pas harmonisation... d'une riposte au niveau national. Nous, nous ne devons pas agir comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est grand qu'on donne toujours un bon exemple. Nous, nous devons prendre des mesures de précaution pour dire, voici comment on fait. Si on a une église de 1000 personnes et qu'on estime qu'avec la distanciation, on peut recevoir que 300 par culte, eh bien, faisons 5 cultes. Oui. Au moins que ça soit défini à l'avance, avant. Mm-hmm. C'est dans 2 semaines, mm-hmm. mais il faut déjà... qu'on prenne le temps de diffuser, de vulgariser, que les gens sachent à quoi s'en tenir. D'accord. On ne peut pas ouvrir comme ça, sinon on est parti pour la gloire. Et les gens qui se mettent comme ça en groupe, dans un lieu fermé, ils boivent allègrement et tout ça, ce sont des choses, on dit, quand vous êtes enfermé, c'est dangereux, la contamination. Je crois qu'il faut à cela aussi dire aussi... qu'il faut ouvrir les portes pour que... Non ? Si, nécessairement, parce que sinon on s'expose. Vous savez, voilà. Avec la gaieté que donne certaines boissons, à un moment, on oublie tout. On se touche même. Oui, on s'embrasse parce qu'il y a un bon but de Real de Madrid. C'est fini, on tombe les bras dans l'aide. Et c'est parti pour la gloire. Donc, même dans ces cas-là, bon, d'abord... Il faut être responsable. Il faut être responsable. À quel moment on respecte la distanciation dans un endroit aussi fermé? Il faut le dire. Parce que j'ai vu des cultes en Belgique. Mais comment on gère la communion? Rien que ça. Parce que vous allez prendre votre communion, des fois les hosties sont serrées. Bon, il faut... Ce sont des risques quand même. Il faut légiférer sur tout ça. Il faut même pas... Ou prendre du moins des mesures d'encadrement. D'accord. Bonne Gaba. Oui, bon. Je dis quand même qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que on a dit que désormais, pour les églises informelles, là, parce qu'il y en a plein, sans autorisation, sans quoi que ce soit, qui avait occupé toutes les rues, il faut désormais, d'après ce qu'on a dit, une autorisation officielle d'exercer. Mais... Chez mais nous, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est le ministère de la Justice. Chez nous, et tout ça, les tapages, etc. Mais malheureusement, chez nous,
lorsqu'on essaie d'encadrer une activité, c'est les dessous de table qui vont maintenant travailler pour obtenir quand même l'autorisation provisoire. L'autorisation. Donc, ça va enrichir encore certaines personnes qui vont être responsabilisées pour accorder ces autorisations. Sinon, ça aurait été l'occasion, parce que je note que dans un pays comme le Rwanda, où il y avait aussi des églises à gauche, à droite, on a réussi à réglementer la chose, de sorte qu'aujourd'hui, tout ça est bien suivi. Donc c'est faisable, c'est possible. Mais lorsque on a vu comment les macarons ici, les avoir, quand on a confiné la Gombe, c'était devenu un business aussi. Donc chez nous, dès qu'on prend une mesure qui est bonne pour la bonne marche de la société, il y a toujours un moyen de contourner, moyennant espèce sonnante et trébuchante. Donc, malheureusement, là, c'est le problème général de la gouvernance qui... Parfois, à chaque fois, quelqu'un qu'on connaît, qui vous mette des gardes armés, la police est là, pour les aider à violer la loi. Ça, c'est là. Alors que... Alors que son travail, ça être l'inverse. C'est l'inverse. Et là, on voit les gens... Ils sont au-delà des heures normales pour pouvoir faire du bruit, mais ils font là-bas. Quand on voulait demander, non, il y a tel qui est venu, tel officier, il est là avec ses gardes, il faut les laisser. Ou bien tel Bonigaba est venu, il est autorité morale de tel parti, il est là avec ces gens. Voilà. À cette allure-là, ça ne peut pas marcher. En fait, il faut que nous soyons chacun responsable. Parce que moi, j'ai vu, quelque part, j'étais en visite, des jeunes filles comme ça à embrasser. Vous savez, quand les gens arrivent, nous, ils embrassent. Je leur dis, mais ce que vous faites là n'est pas normal. Ah non, on vit tranquillement. Non. Bon, chacun doit être responsable. Cette maladie existe et il ne faut pas qu'elle tombe dans votre famille, parce que vous risquez de la décimer complètement. Maître. Mais quand vous parlez de jeunes filles qui embrassent, vous êtes encore trop tendre. Il suffit de circuler sur le boulevard la nuit, vous verrez des demoiselles en petite tenue. Si elles y sont, c'est qu'elles ont des clients. C'est-à-dire, quand on parle de distanciation sociale, mais qu'il y en a quand même qui continuent à courir les risques à ces niveaux-là, il y a un problème. C'est un niveau d'irresponsabilité qu'on ne peut pas qualifier. Bon, mais ça. Mais les problèmes sur lesquels je voudrais revenir, c'est les problèmes de la stigmatisation. C'est ça qui nous cause beaucoup de tort. C'est-à-dire que vérifier de tous qui sont décédés, personne n'accepte qu'il y a eu un décès suite à la Covid. Tout le monde dit non, il avait une malaria et puis on nous a dit. Mais non, personne n'accepte. C'est pas une maladie honteuse. Mais justement, on doit apprendre à accepter que la maladie existe et que. Bon, il peut tuer. Parce que si on continue à stigmatiser, on dit, bon, telle personne dit officiellement que j'ai fait de la Covid. Mais c'est tout le quartier qui va pointer la maison. Il dit, non, ne passez pas par là. D'ailleurs, il y a leur papa là. On en est encore à ce stade. Ce n'est pas normal. L'éducation doit être faite pour que nous comprenions que c'est une maladie normale qui vient, dont on guérit d'ailleurs facilement, et que ça peut passer. Ça ne sert à rien de continuer à stigmatiser. Ça nous cause plus de tort que de bien. Et puis, quand on a vu les jeunes sautiller, les athées, ça n'existe pas, cette affaire-là, il se trouve aucun parent pour dire non, ce que vous faites est dangereux. Alors que nous, quand on grandissait, les aînés venaient arrêter. Aujourd'hui, avec les Kulunas, vous n'arrêtez rien, hein. Non, parce qu'il y a eu, comme Maître Magala veut dire, il y a eu dans la société la circulation des nouvelles d'irresponsabilités, et notamment parfois véhiculées au haut niveau. Regardez-moi cette histoire de cachet. Quelqu'un qui est malade, on va lui mettre un cachet.
Mais il y a des gens qui ne sont même pas allés dans les hôpitaux. Il dit, mais nous, on va vous mettre un cachet Covid et puis on ne vous soignera même pas. D'ailleurs, on peut même vous aider à vite mourir. On vous pique quelque chose. Mais ça se racontait la chose. Et alors les gens, vous voyez, les gens ont peur d'aller à l'hôpital. Oui, mais quelqu'un est décédé. Mais j'ai vu dans le quartier des gens venir. Qu'est-ce qu'il y a des jeunes? Mais non, on voulait acheter notre corps. Nous avons refusé, on nous a donné 2000, 3000 dollars parce qu'on a mis des cachets Covid. Non, nous allons l'enterrer et tout. Mais des histoires comme ça. Qui circulent. Qui circulent à ciel ouvert. Aisément. Les gens, parce que moi, je ne suis pas loin d'un hôpital là-bas, chez moi. J'ai vu au moins à deux reprises de tels mouvements de gens qui se battent. Nous, on ne veut pas, Vous restez avec votre argent. Oui, parce que parfois, c'est peut-être la personne qui est décédée et son épouse seule qui savait qu'il était atteint de la Covid. Et comme les autres n'étaient pas au courant, quand elle meurt, et d'ailleurs, ce secret médical, lui aussi, il est compliqué. Je suis malade. Je suis le seul qui sait que je suis malade. Mes enfants ne savent pas. Enfin, Dieu m'en garde, hein. Mais mes enfants ne savent pas. Et puis, bon, je ne veux pas dire que si je meurs, non. Je dis, si vous mourrez. Et puis, les gens disent, non, il n'était pas malade. Oui, mais il y avait secret médical. C'est lui seul qui savait qu'il était malade. C'est parce qu'il y a eu problème d'argent dedans. Et c'est ça qui a tout faussé. On dit voilà, on donne l'argent et puis on ne va même pas. Mes gens ont même raconté qu'à Maloukou là-bas, on a fait une fosse commune. Il y a un sachet en plastique avec une tirette, on met le corps là-dedans, et puis on bascule dans les véhicules. S'il y a 40, 50 corps, on va le. Un vrai problème de communication. Un vrai problème de oui. Une information comme ça, il faut l'éteindre tout de suite. Il faut oui, pas qu'il continue. Mais c'est ça que les gens ont eu comme information. Et ça a été terrible. Les gens disent là, on va tout de suite te dire. Quand on dit les gens sont morts de corona, tout. D'ailleurs, on vous dit non, pour nous, soit c'est les poisons, soit que c'est ceci, c'est l'argent qui a été donné, on lui a mis le cachet. Bon. Ces histoires-là, c'est véhiculé malheureusement parfois dans le milieu des responsables, et ce qui fait que les jeunes gens dans la rue, vous voulez qu'ils fassent quoi? Modeste. Oui, parce qu'il faut en fait constater que cette pandémie, c'est pour la première fois qu'une pandémie de cette ampleur se propage avec l'avènement des réseaux sociaux. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est pour ça que la maîtrise de la communication devient difficile. Parce que les réseaux sociaux... Ça n'en parle tout de suite. Et balance. On balance des choses. Vous dites donc, tel docteur a dit que... Ah, même c'est officiel parle. Et ils ont déjà donné leur version. Et on vous dit, attention, si vous suivez, c'est que la communication officielle, ils sont corrompus déjà pour vous amener dans telle chose. Donc, c'est vraiment une situation tout à fait inédite. On n'a jamais connu ça. On a... affaire à la fois à une vraie pandémie, là c'est réel, mais il y a des gens qui vous disent non. En fait, c'est l'occasion peut-être pour moi de dire à nos téléspectateurs, en fait, les réseaux sociaux c'est très compliqué parce que vous êtes seul, vous pouvez inventer une information, vous la diffusez. Tandis que nous qui sommes journalistes, nous avons été à l'école pour cela, nous sommes à plusieurs à confectionner cette information et donc... C'est une information qui ne pourra être que vérifiable. Tandis que dans les réseaux sociaux, enfermés dans votre truc, vous pouvez dire n'importe quoi. Il faut faire vraiment attention aux réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle nous étions revenus à ce sujet pour dire, avant de distribuer une information, donnez-vous la peine de savoir si cette information était vraie. La raison pour laquelle, Jean-Pierre, que les officiels doivent apprendre à s'adapter avec leur temps, être proactifs à circuler l'information, la vraie, officielle. Si on attend, ça serait ces informations-là fabriquées dans la rue qui vont circuler. Voilà, Mobimba, qui n'aime pas qu'on l'appelle Cyril, lui appelle les autres Jean-Pierre.
Et tout ça, c'est bien. C'est de la confusion. Oui, dit. Oui. Vous savez, la maladie ici, plus elle progresse, plus elle va vite. Ici en Afrique, on a pris 98 jours pour passer de 0 à 100 000 cas. Mais de 100 000 à 200 000 cas, ça a pris 18 jours. Donc, la proportion de départ a quasiment quintuplé. La conséquence, c'est quoi? Nous pouvons être endormis sur des chiffres d'aujourd'hui. Ça nous distrait. Oui. Alors que ça fait en sous-main des ravages terribles. C'est pour ça que nous devons nous prémunir déjà contre. C'est-à-dire être prudent pour se dire, bon, s'il y a une flambée demain, comment on riposte? Je crois qu'on se on ferait œuvre utile en se préparant au pire, plutôt qu'à chercher à être satisfait de cette baisse momentanée. Parce que comme on a déconfiné et les écoles et les universités, prions Dieu pour que ça ne se passe pas, mais on devrait être prêt. La semaine passée, en suivant votre chaîne, je crois, on nous disait qu'à Lubumbashi, il n'y avait pas de réactifs. Donc, c'est vrai. Quand il n'y a pas de réactifs à Lubumbashi et qu'on garde les taux tels qu'on les donne, c'est que les calculs sont forcément biaisés. C'est-à-dire, nous pouvons nous en satisfaire maintenant, mais quand... Là, Lubumbashi, c'est le deuxième grand centre du pays. Donc, je ne parle pas de Moneditu, je ne parle pas de Walungu, je ne parle pas de tout ça. Donc, à un moment, nous aurons... C'est sûr qu'on n'aura pas des chiffres vrais, mais on aura quand même certaines tendances qui pourront nous amener à multiplier d'efforts. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas une maladie, c'est la dernière question, est-ce que c'est quand même une maladie de la civilisation? Elle est venue des centres bien développés, la Chine, l'Europe, pour que ça atteigne Fungurume, il n'y a pas, non? Ah, pas forcément, mais il y a toujours quelqu'un qui descend directement de la France pour Malweka. Donc personne n'est à l'abri. C'est-à-dire, quel que soit le fin fond du coin du territoire où on se trouve, il y a toujours quelqu'un qui va voir son parent là. Mes chers amis, cette émission est terminée puisque la réalisation me le dit déjà. Prenons nos responsabilités. Si vous n'avez rien à faire, restez à la maison, profitez-en pour lire, pour ouvrir votre livre, pour écrire, pour encadrer les enfants, parce que, sait-on jamais, n'allez pas vous hasarder à sortir pour rien du tout, pour faire un tour. Ce n'est pas le moment de faire des tours. La maladie a frappé à la porte, elle est même entrée chez nous. Soyons responsables et donnons des conseils à ceux qui ont besoin d'avoir des informations utiles. Arrêtons de transmettre les informations reçues par les réseaux sociaux à d'autres. D'autres, c'est pour rire. On ne rigole pas avec la maladie parce qu'elle vous l'attrape. Dans des pays comme les nôtres ici, nous allons mourir comme des... Voilà. C'est ce que nous voulions vous dire au cours de cette émission. En vous remerciant de votre fidélité, nous vous disons bonsoir et bonjour. Merci, M. Mobimba. Merci, Maître Magala. Merci, M. Bonigaba.